Good morning, allez, Yidel, let's use aujourd'hui le Nishmat Avram, Chayin, Orber, Ben Fortune, Mazal, Yedid, Abad, Esther, Chaya, Abad, Toubar, Rami, Ben Rosa, si vous savez, vous êtes dédié une prochaine étude de chaque chapitre 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Bechorot, Père Exaïd, Mishnah Gimel. He charum pasul, eze hum charum, akochel, shte enav keechat. Shte enav le mala, ou shte enav le mata, eno achat le mala, veno achat le mata, roet acheder, veet aliyah keechat, sache, shemesh, zugdos, והציראן ושלום השמור סעיניו פסול מפני מראית העין. On continue dans notre perek Zayin à évoquer les défauts qui invalident les Kohanim de servir au Beth Amikdash. Dans perek Vav, on avait appris les défauts qui font qu'un korban, on ne peut plus l'offrir en korban, il n'était plus tamim. Et dans le perek Zayin, on avait appris, dans, quand on étudiait la Mishnah Alef, on a ouvert le passouk dans les psoukim, dans Parashat Emor, où la Torah nous précise toutes sortes de défauts physiques qui invalident les kohanim de servir au Beth Amikdash. S'ils ne se présentent pas bien, eh bien, ils ne peuvent pas servir au Beth Amikdash. Ils pourront consommer les korbanot, mais pas faire le service. D'accord ? Au Beth Amikdash, c'est la maison du roi. Imaginez, vous allez chez le roi, tout doit être parfait, tout doit claquer de propreté, plus qu'à Pessah. Et donc, il faut aussi que les gens ils soient beau gosse, tout naturellement. D'accord ? Eh bien, c'est le même principe. La Torah nous a précisé toutes sortes de défauts qui invalident les kohanim. Et, comme on a dit dans la mission précédente, la Torah a précisé plusieurs mots, plusieurs défauts, voilà, plusieurs adjectifs qualificatifs qui invalident les kohanim. Et nos mishnayot dans le Perek Zayin s'occupent de reprendre ces mots et de les interpréter. Et le premier, c'est le charum. He charum pasoul. Le charum, la Torah nous a dit, Ogiben, Odakot, Valulben, O charum, Oyalefet, Oyabelet, je sais même lui, il y a plein, toute une liste de mots comme ça, que je ne connais pas l'interprétation de chacun, forcément, il faut arracher à chaque fois. Quoi. En tout cas, concrètement, donc il y en a un qui s'appelle le charum. Ezehu charum, c'est quoi le charum? Charum en hébreu, c'est il y a une urgence, c'est des urgences, ça s'appelle le charum. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, Ezehu Charum, ça n'a aucun. Étymologiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est Akochel, Shte Enav Keechat. C'est celui qui réussit à se. Kochel, c'est se mettre du bleu dans les yeux. Quand il a un problème dans l'œil, il réussit à se soigner les deux yeux en même temps. Imaginez qu'il veut se frotter les yeux, il réussit avec un doigt à se frotter les deux yeux. En deux mots, il lui manque. Il a les deux yeux, ils sont sur un même niveau sans qu'il y ait la bosse du nez. D'accord ? J'ai un ami. Une connaissance de mon quartier qui est comme ça. Je pense que c'est parce que j'ai entendu qu'il avait fait un AVC dans sa vie et qu'il lui opérait. Et quand il lui opérait dans le nez, je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, depuis, il a les yeux comme ça. Il a une tête d'avocat assez rigolote. Ça fait une tête un petit peu de dessin animé avec un petit nez qui dépasse, tandis que là, c'est relativement plat. Peut-être qu'il y a quand même une petite bosse, je pense que c'est devenu complètement plat. En tout cas, pour la Mishnah, elle l'interdit. Si toutefois, c'est complètement plat entre les deux yeux, il n'y a pas ici le nez qui fait séparation entre les deux yeux, c'est un défaut qui est invalide au Beth Amikdash, c'est ce qu'on appelle le charum. D'accord ? On continue encore avec des autres défauts qui sont Shte Enav les malins. Là, j'ai pas compris de quoi on parle. C'est qu'il a les deux yeux au-dessus. Le partenaire de Brésil, il a les deux yeux. Je sais pas compris comment on peut avoir les deux yeux dans le front. Quoi, au-dessus des sourcils, il a les sourcils qui remontent plus. Je sais pas à quoi ça ressemble. J'ai du mal. Si vous avez une photo de. Envoyez-la à moi, ça me ferait très plaisir de voir comment ça peut ressembler. En tout cas, comme ça, il interprète. Ouais, Begova Metzach, à la hauteur du front, Shelo Kishar Bne Adam. J'imagine peut-être qu'il a une tête trop rallongée ou on a l'impression qu'il a les yeux trop hauts. J'ai du mal à imaginer qu'il ait des yeux qui lui sortent du front, ça ne peut pas exister quoi. C'est-à-dire pourquoi ne pas parler aussi que des yeux qui sortent des oreilles aussi. C'est sûr que ça n'existe pas, on n'en a pas besoin d'en parler. Donc, je traduis, j'interprète ce qu'il y a ici. Le Tiresan n'a pas non plus précisé. Il a juste dit qu'ils sont au-dessus de ce qu'ils devaient être. Ou encore, Ushte et Nav les matins, il a les deux yeux trop bas. D'accord ? Imaginez, c'est pas qu'il a des cernes, c'est qu'il a les lobes des yeux qui sont beaucoup plus bas que la normale. Eh bien, en tout cas, c'est encore un défaut. Ou encore, Eno achat le mala ve Eno achat le mata. Alors lui, le pauvre, il est gâté, il en a un en haut et un en bas. Un au-dessus de ce qu'il fallait et un en dessous de ce qu'il fallait. Et bon, le Bartholomew, il précise, plutôt le Tifa Tissal, il exprime la nécessité d'avoir précisé. Que même ça c'est un défaut, apparemment c'était plus évident, mais je déduis de là qu'apparemment s'il a juste un œil qui est trop par rapport à l'autre, alors, ah non, ça sera un autre problème, ça sera comme dans le Mishnah. Pour le moment donc, on continue. Tout va très bien, donc on a évoqué des yeux trop bas, un ou un en bas, tout ça c'est invalide. Ou encore, là pour le moment on parlait des lobes des yeux qui sont trop hauts. Maintenant on va parler de celui qui louche. Roé et acheder ve et aliyah ke'echat.
Celui qui réussit à avoir la cheder, c'est la chambre d'en bas, et la aliyah, c'est la chambre du haut, le grenier. Il réussit d'un coup d'œil à voir le grenier et la chambre. En deux mots, il louche. Il a un œil qui c'est fréquent, il précise, le Tifat Issa, je crois que c'est lui qui précisait. Non, c'est le Bartenora lui-même qui nous dit que lorsque vous le fixez dans les yeux, vous voyez qu'il y a un œil qui vous regarde et un œil qui va ailleurs. Eh bien, dans ce cas-là, ça invalide, il ne peut plus servir au Bet HaMikdash. D'accord ? Et voilà, et on continue avec encore trois sortes de défauts qui sont Sache Shemesh. Sache Shemesh, c'est un peu délicat. Qu'est-ce que c'est le Sache Shemesh ? Il y a dans la Gemara, il y en a un qui dit qu'il faut dire plutôt Sane Shemesh, c'est qu'il déteste le soleil. Le Barthénois, il nous dit que c'est Rabbi Kibéya qui rapporte celui-là, Sane Shemesh. C'est le même principe. Le Barthénois, il nous dit c'est qu'il ne supporte pas le soleil. Il n'est pas capable de fixer le soleil sans se fermer. Non seulement il ferme les yeux complètement, mais même les sourcils, il les rabat sur lui-même. D'accord ? C'est littéralement le Bartona, il a l'impression de. J'ai l'impression que le Bartona, il veut dire quand il veut regarder le soleil, il doit fermer les yeux et froncer les sourcils. Je ne connais pas une seule personne qui a réussi à regarder le soleil sans froncer les sourcils. Donc c'est sûr qu'on n'est pas tous des balmoum quand même, c'est méchant pour nous. Donc forcément, il faut déduire qu'en fait, c'est quelqu'un qui force trop, qui ne peut pas supporter un brin de lumière qui veut lui rentrer dans les yeux. D'accord ? Zugdos. Alors, étymologiquement, dans ce que Zug, c'est une paire. Dos, c'est comme, ça vient du latin. Deux, un, dos, tres, aussi en espagnol, même en français, deux, x, ça vient du latin aussi. Deux. C'est qu'en fait, il a une paire, mais qui sont asymétriques. Je ne sais pas comment ça en allemand. En tout cas, c'est toute asymétrie du corps qu'il pourrait avoir. Ça pourrait être finalement. En l'occurrence, comme on avait évoqué, qu'il a un sourcil d'un côté et pas de l'autre. Mais ça peut être aussi un œil grand, un œil petit. Il y a toutes sortes d'exemples qui nous rapportent. Le Barthénois. Ouais. Un qui est fin, un qui est gros. Un œil bleu et un œil bleu et un œil noir aussi. Un qui a donc des sourcils très fournis et l'autre il a un tout petit trait. Tout ce qui est asymétrie. Flagrante, j'imagine. Ouais, je pense qu'on va prendre quelqu'un, on va le mesurer à la règle, est-ce qu'il a les deux hauts des oreilles qui arrivent à la même hauteur. Je pense que là, on va pas trop forcer sur la dose, mais j'imagine en tout cas quelque chose qui est choquant. Ça, c'est Zouglos. Vehatsiran. Hatsiran, alors, c'est quelqu'un qui a les yeux qui larmoient sans arrêt. Et une petite question technique, c'est que le début de notre Perek, qui nous disait tous les défauts qu'on avait parlé dans les animaux, ils s'invalident chez les hommes. Il y en a d'autres qui invalident encore chez les hommes. Donc dans notre Perek, on est censé découvrir des défauts qui sont spécifiques aux hommes. Or, dans le Perek Vav, on avait déjà appris que même un animal qui a les yeux qui larmoient constamment, il y avait toutes des remèdes à faire pour savoir si c'est un moum fixe ou pas. Et du coup, la Mishnah vient me dire, tu sais, pour les hommes aussi, les yeux qui larmoient aussi, c'est aussi un défaut. Sur ça, il précisait le Tifat Israël qu'en fait, c'est venu nous apprendre que chez l'homme, quelqu'un qui a ce défaut des yeux qui larmoient, il n'y a aucune refoua pour lui. Il n'y a aucune guérison, aucun remède, à la différence des animaux, que des fois il faut leur définir ce que c'est un moum kavua ou un moum lokavua. Concrètement, retenez juste, donc les yeux qui larmoient de trop, c'est aussi un défaut. Veshenashru rise enav, pasoul, mipene maritain. Là, faites attention à la ponctuation. Il y avait un point qui dans la phrase qui s'est fini, et du coup, on a maintenant toute une longue phrase. Celui qui a eu les sourcils qui lui sont tombés, il est invalidé à cause de Maritain. Alors là, Maritain, ce n'est pas traduire comme dans le reste de la Torah. Toujours quand il écrit Maritain, c'est ne fais pas les choses pour ne pas qu'on te soupçonne de faire quelque chose d'interdit. Ça, c'est Maritain en général. Mais là, Maritain, c'est juste parce que ça ne fait pas beau. C'est pas digne. Ça ne fait pas classe, tout simplement. Et en tout cas, on parle de quelqu'un donc, qui a eu les sourcils qui lui sont tombés complètement. Alors, au point où il reste même pas une trace. C'est-à-dire, s'il a tous ses sourcils qui lui sont tombés et qu'il lui reste un tout petit trait, ça reste encore cacheur. Mais si tous les sourcils... Il y a un petit problème technique. Non, on parle pas des sourcils, on parle des cils plutôt, excusez-moi. Justement, parce que si c'est les sourcils... Alors, on avait déjà parlé de ça dans la Mishnah précédente. C'était le Giben, selon plusieurs avis. Donc là, on parle de Rissé et Nav, on parle plutôt des cils. Ouais, j'ai un petit problème technique. Je viens de faire attention comment je fais mon chiot, que je me suis un petit peu... Il y a un problème. Ricine en hébreu moderne, en tout cas ricine, on parle des. Ouais, non, justement, c'est ça. Serge et Beafapab. La Fapaim, c'est les paupières. Donc les poils des paupières, c'est parfait, je ne me suis pas trompé.
Comme ce qu'on a dit, exactement, c'est les cils et pas les sourcils. Les sourcils, c'est la mission précédente et c'est Gibbon, c'est explicite dans la Torah. Là, on en parlait maintenant qu'il n'y a plus de. Il n'a plus du tout de. Même ses cils, ils lui sont tombés, il ne reste même pas une petite rangée, un petit quelque chose. Alors là aussi, ça invalide parce que ça ne fait pas classe. Maritime, donc. Ça manque de prestige, de beauté, de splendeur. Il y a maintenant le Barthénois, il conclut ici en nous faisant trois niveaux de défauts. Il y a ce qu'on appelle. Alors, attendez, je me retrouve une seconde. C'est voilà, il finit le Barthénois. Ushlosha dinim chalokim yesh bemoumé adam. Il y a trois sortes de halachot qui vont. C'est-à-dire tous les défauts qu'on va évoquer chez les hommes, chez le kohanim qui vont être invalidés. Alors, on va les regrouper en trois groupes. Il y a des défauts qui vont faire que c'est un interdit très grave. Si le kohanim a fait le service, il va être frappé parce qu'il aura transgressé un interdit de la Torah. De gombo, lo, yavo, je ne sais plus comment c'est dit dans la Torah. En tout cas, il ne pourra pas faire sa avoda lorsqu'il a un défaut. Donc, il va y avoir des défauts pour lesquels on va frapper le kohen et que la avoda, le service qu'il aura fait, il sera invalidé. C'est-à-dire, si vous allez au Batamigdash avec, bientôt vous enchaînez avec le Corban Pessah, vous allez débarquer au Batamigdash, il y a un kohen qui va vouloir réceptionner le sang. Le kohen, il louche. Eh bien, selon le cas, selon le défaut qu'il va y avoir, alors, on ne va pas parler du cas d'abord où il louche, on va parler d'abord un kohen qui a un doigt manquant. Il reçoit le sang, et bien, pour savoir le sang qu'il a reçu, il est invalidé. Pourquoi ? Bon, alors, il y a trois groupes. Il y a, d'abord, s'il lui manque un doigt, d'abord, je pose trois exemples. S'il lui manque un doigt, il va être frappé, il ne fallait pas venir servir, et mieux que ça, le korban, il a été invalidé, il va falloir apporter un autre animal et recommencer. Si toutefois, il a les yeux qu'il a en moins de trop, ou bien qu'il louche, comme ce qu'on a dit, il regarde en haut, il y a un œil en haut, un œil en bas. Dans un cas pareil, alors, le Barthénois va nous dire, il va nous préciser qu'il sera frappé, mais il sera frappé, parce qu'il aura transgressé, il n'avait pas le droit de servir, tandis que le corban qu'il a fait, il ne sera pas validé. Et, à part ça, maintenant, le défaut, par contre, de celui-ci lui manque les sourcils, et il y aura un autre cas qui sera évoqué dans une niche un peu loin, alors là, c'est que a posteriori, il sera ni frappé, et ni, ni la voda, elle sera invalidée. C'est quoi donc ? Pourquoi ça ? Alors le Barthénois, il nous dit comme ça. S'il y a un défaut qui est invalide aussi chez les animaux, un défaut pareil, ça fait qu'on est frappé, et a posteriori, le corban, il est invalidé. Si c'est un défaut spécifique aux hommes, alors là, il sera frappé, parce que Mumbo, il n'avait pas le droit de faire le service, mais la vodale n'est pas invalidée. Et si c'est un défaut qui est interdit juste parce que ça manque de splendeur, de prestige, comme on dit pour celui qui lui manque les cils uniquement, alors là, dans un cas pareil, c'est que Mipne Maritain, c'est juste parce que ça manque de classe, de beauté, eh bien, a posteriori, ce sera la vodale sera validée, à plus forte raison qu'il ne sera même pas frappé non plus. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.